Donc la question qui se pose à moi, c'est blanc ou noir? Bon, bah on va laisser le hasard choisir, et le hasard veut du noir. Et ben on est parti. Oubliez la génération des S qui prit fin avec le S3. Chez Daylim, le scooter GT est dorénavant incarné par le nouveau modèle XQ125. Changement d'époque, si le 125 d'origine coréenne conserve son très bon niveau d'équipement, il adopte dorénavant un style racé et élégant, entre sa poupe d'inspiration Belleville et sa proue très T-Max. T'as raison Adrien, niveau look ça a plus rien à voir avec l'ancien S3. En revanche, moi là assis sur cette selle, je retrouve l'univers Daylim parce que la position de conduite est vraiment bien étudiée. Je suis bien, j'ai de la place. Alors que je suis grand, hein, je fais 1m83, je peux presque étendre mes jambes quasiment quoi, toutes droites. Alors que ça, je peux pas le faire sur un X-Max ou sur un Forza. Et le dernier point qui aide vraiment tout type de pilote, c'est sa hauteur de selle. Elle est ridicule. On n'est même pas à 740 mm. D'autant plus qu'elle n'est pas très large cette selle. Donc vraiment, tout le monde posera les deux pieds à plat au sol. Moi, avec mon 1m83, je pose mes genoux, c'est pour vous dire. Je plaisante. Je suis vraiment bien. Cette position est reposante. Après, niveau confort, je trouve que, bah, comme l'ancien S3, les suspensions sont un petit peu sèches. Et puis, on a une très bonne protection. Certes, la bulle, elle n'est pas réglable, mais elle est à bonne hauteur. Je ne l'ai pas dans mon champ de vision. Et avec l'inclinaison de la proue, dès qu'on est à vitesse élevée sur les voies rapides, eh ben on a vraiment une très bonne protection. Puis regardez, on peut bien se faufiler dans le trafic, aucun souci. On peut dire qu'il est bien équilibré, malgré ses 185 kg. Moi, je le trouve assez facile à déplacer, assez agile. Vraiment, il n'y a pas d'inertie. Il a une très bonne direction. Bon, faut dire qu'elle se maîtrise facilement hein, sur la base de ce petit guidon. Alors, faut juste faire attention aux rétroviseurs qui sont placés en bout de capotage. Ça passe assez facilement dans l'exercice du gymkhana. J'ai pas trop à forcer mon talent. Hop, bonjour madame. Hop, hop, regardez-moi ça. Ça passe pas, ça passe pas. Bah si, ça passe. Ça passe crème Mehdi, d'autant plus que le XQ125 possède un bon rayon de braquage. Et comme son châssis et sa partie cycle ont aujourd'hui évolué, le tortillard urbain montre un autre équilibre sur la route. Il offre une bonne stabilité. Il y a ses roues, 15 à l'avant, 14 à l'arrière. Et son châssis aussi que je trouve plus robuste que celui du S3. Alors ok, on a perdu le plancher plat du S3. Maintenant on a un tunnel, mais on a un cadre qui est sensiblement différent et qui moi me satisfait davantage. Parce que justement, je le trouve plus rigoureux qu'avant. Et ça, les suspensions peut-être un petit peu fermes participent également à cette rigueur, à ce sérieux, justement lorsqu'on est en courbe. Le freinage aussi, hein, c'est un de ses points forts. On a du mordant, on a une attaque qui est raisonnable, des leviers qui sont réglables. Dommage par contre qu'on ait cette montre pneumatique Kenda. Alors moi, j'ai rien contre les marques exotiques, tant qu'il y a du grip. Et là, je trouve que le grip, il n'est pas complètement présent. Il affole un petit peu l'ABS à l'avant. Bon, à l'arrière, en revanche, ça va mieux. Côté moteur, on est au top hein, de la catégorie 125 permis B. En revanche, il n'est pas très démonstratif, hein, ce monocylindre. Et on le sent un petit peu long à décoller. Après, il propose une accélération assez linéaire jusqu'au mi-régime. Où là, on a des mi-régimes qui sont quand même un petit peu plus intéressants. Avec des reprises remarquables, vraiment remarquables, entre 60 et 90 km/h. On a de l'allonge par la suite pour atteindre les 110 sans problème. Et là, un petit peu plus de peine après pour atteindre la vitesse maximale qui elle est située aux alentours des 120 km compteur, ce qui fait à peu près un 110 au GPS. Bon voilà, au final, moins de 4000 euros le GT125 à moteur liquide, plutôt performant. Il faut bien avouer que c'est quand même rarissime sur le segment. 3899 euros, garantie de 2 ans pour être précis, alors que la concurrence japonaise ou européenne frise les 5000 euros.
Certes, ce Daelim XQ 125 va devoir batailler face aux outsiders taïwanais, les Kymco X-Town 125 vendus 3 699 € et Sim GTS 125 ES affiché à 3 599 €, mais le coréen se singularise franchement pour son look et son niveau d'équipement.